Et pourquoi mon chancelier c'est un cheval? Ah! Parce que t'es lunatique. Mais parce que tu es Ah! fou, mon gars. Tu fais comme... Attends, C'était qui? t'es lunatique. Caligula, non, qui l'a fait, ça? Oh, je suis. Oh là là! Oui, t'es lunatique, donc dans ta folie, tu as nommé ton cheval chancelier. Mais je crois que c'est Caligula qui l'a fait en vrai. C'est pas Néron? Bah, c'est peut-être les deux, hein. Peut-être que ça s'est fait... C'est Néron hein, qui a. Je crois que c'était Néron. C'est Donc on est Néron. en partage salique électif. Oh là là. Et je Non, suis Caligula. vieux. Non, c'est Caligula. C'est mon fils, Ah, ça? c'est bien Oh, ce qui il me est pas semblait. dégueu! J'ai vu le film Caligula qui est assez... Ah, ce film! Oui. On est du coup en live, j'imagine, donc bonjour le live. Ah oui, on parle de film de boules, on est là, on est bien. Mais c'est pas un film de boule, Caligula. Oh, Il y a sûrement une version film de on n'a boule. pas vu la même version de Caligula alors. Ah bah oui, non mais je veux dire effectivement, y a beaucoup d'orgies, mais c'est pas que ça. Ouais, c'est Tinto Brass, le réalisateur italien, qui Bah, c'était fait avec le mec Kaamelott. qui fait Orange Mécanique, non? Enfin, l'acteur. Peut-être Je saurais pas aussi. dire. Bon, bonjour à tous. Oui, bref. Bienvenue dans le Bonjour live du à tous. cinéma. Comme Twitch merde, je sais pas combien vous êtes, ça me marque encore Bienvenue dans le Déglingus Cinematic Universe. un peu. C'est Ta ça. ta ta. Alors, on reprend à la sauvegarde automatique, parce que la dernière fois, mon jeu s'était tout simplement fermé à la fin du live. Donc, il y a quelques mois qui sont passés à la trappe et je me rappelle plus du tout. Apparemment, j'étais en guerre avec mon vassal pour lui piquer Lyon. Ouais, on était un peu dans la merde, nous ici. Attends. Mais non, mais je confonds avec ma partie perso. Ah, Non, bah mais bravo. non, je suis en guerre avec le type d'à côté pour lui prendre Lyon. Ouais, non, c'est ça, voilà. Mais non, parce que dans ma. Ouais, non. C'est bon, je suis là. Je suis là. J'ai compris. Tout va bien? Ok, d'accord. Nous allons pouvoir commencer. C'est bien, commençons, commençons. Donc nous, on est en train de perdre à 47% une guerre d'assujettissement sur ma gueule. Ah oui, c'est bon, on en était là. Oui, on en a été réduit à ça. Cette partie, c'est n'importe. Quand vous voulez. Ok, Ah, bah c'est parti. je suis C'est prêt. bon. Allez, Et en envoie la douceur, hein, voilà. sauce. Oui, deux, c'est bien. Alors moi, j'ai moins 21 de prestige parce que je perds toutes mes guerres. Ah oui, quand même. C'est génial. Je suis en trêve avec le roi de Bavière jusqu'à l'année prochaine. Je suis devenu le roi Moisi, mais je suis également le roi empaleur. J'ai le trait, ça y est. Je l'ai cherché. Hein. Je vais tenter de tuer le duc de Franconie qui fait des revendications sur mon C'est qui, c'est territoire. quoi ça? Ouh! Ah, j'ai tué son chancelier. Ouh là Ah non, là. j'ai tué le comte Tassilo de Leningen. Qui c'est qui a Bien. hérité du coup? C'est sa fille. Mais, oh, bah elle est vivace, remarque. Eh ben voilà. Faut pas me faire chier, moi. Alors, il y a une révolte dans mon pays. Oui, je... Mais quelle est cette diablerie? Pourquoi? Oh là là, quelle vieille misère, personne ne peut me blairer. C'est toujours la catastrophe. Ah, mais merde. Tiens, j'ai voté pour lui pour faire chier le monde. Bon. Nous pillons, nous pillons. Nous pillons le pays. Toi t'es un ailier, toi t'es un ailier. Elisabeth. Ah mais Reine de mer. je n'ai qu'une seule concubine, c'est un peu triste. Oh Alors. là là, mais c'est qui cette révolte là? Ah mais j'ai le doigt de Saint-Jean maintenant, j'ai la tunique de Jésus et le doigt de Saint-Jean. Tu l'as trouvé dedans peut-être? Ça va, tu construis une marionnette ou quoi? Obtenu en 788. Ah, j'ai Qui une c'est qui m'a revendication déclaré la contre guerre? lui. Oui, c'est l'autre Ouais, trou je sais pas, Jésus a balle. volé dans une Moi j'ai bataille. rien parce qu'on n'a pas Assassine-moi d'argent. seul. Est-ce qu'on peut pas emprunter aux Juifs maintenant que je suis chrétien? Oh, ok, pas la peine. Yes! Et maintenant on les expulse.
T'es anxieux et ivrogne et parano et content et gourmand et, qui... et parricide. Toi. Qui ça? Ah oui, moi, oui, j'ai tous les vices. T'es lâche, le personnage c'est une poubelle. Quoi. Il a tous les vices. Bon, alors il faut recruter hein, quelques mercenaires, n'est-ce pas? Salut Kliassim, salut Katov, salut Ardari, salut Dave. On est mort. On est vraiment mort. Alors, mon armée se prend une... Ah non. Pété vilain. Pour une raison que j'ignore, on a gagné. C'est intéressant, ça. Bah, c'est peut-être ton roi qui a réussi à repousser... Parce que je te rappelle qu'il a dû attaquer ton roi, vu que c'était la Bulgarie. Ouais. Ouais, enfin, ton roi, il a peut-être réussi à repousser les armées bulgares. Oh là là, mais la Bavière est devenue bulgare. C'est des choses qui arrivent. La Bavière est devenue bulgare. Qu'est-ce que tu comprends pas dans la... Oui, qu'est-ce que tu comprends pas dans la Bavière est devenue bulgare. Bon, on a survécu par l'opération de Satan, probablement, parce que ce n'est pas la mienne. Non, reste là. D'ailleurs, c'est quoi la mission satanique du moment? Profaner le temple d'Arad, mais ça fait 15 fois qu'on le crame ce temple. Eh, crame-le. Tiens, tu vas profaner. Encore. Décidément. Allez, on les défonce. Ok, voilà. Donc moi j'ai obtenu le comté de Lyon. Ouais, bah nous, on c'est qu'une question de temps avant que. J'espère que la Bulgarie va vite collapser là et que ça va faire un bon partage salique des familles. Ah, il a que 3 enfants. Ah. Oh putain la vache. Ah ouais, je suis anxieux, c'est vrai. C'est vrai que je fais des recherches d'artefacts. Oh putain, ce qu'on est mauvais. Moi aussi, t'as pas idée. Puis qu'est-ce qu'on nous aime pas? Tyrannie. Mmh. Infidèle, tyrannie. Mais comment ça, infidèle? Oui, on va nommer quelqu'un de... De fidèle? Bah de chrétien au moins. C'est déjà ça de prix. Mais même femme, elle me déteste. Je vais inviter tous mes vassaux à faire la teuf. Connerie. Vraiment. Voilà. Ah bah on a tué le chef de la révolte. Venez tous faire la fête chez moi. Vite. Voilà. Plus de mercenaires, voilà. Alors, qui c'est qu'on a dans nos geôles? Bénédiction de Baal. C'est bien ça. Ah, j'ai pas assez de prestige pour expulser les juifs, sérieux? C'est bien naze. Ah, mes chanceliers, ils sont tous pourris. Hein? Merde, j'ai fait un bâtard encore? Non, je ne reconnais pas l'enfant. Bah, t'as de la chance, moi j'ai pas d'enfant. Ma lignée est vouée à l'échec parce qu'en plus mon frère c'est un... C'est un prêtre ou un curé? Ah non, si, il est marié. Ah, j'ai perdu le trait paranoïa. Ah, ça, c'est bien, ça. Sans quoi, t'as pas du perdu. J'ai plus d'ambition. Devenir roi de Bohème. Allez. De toute façon, je vais crever. Oh, ils sont tous nuls, putain. Alors, c'est quoi le royaume de Jure de Bohème? Grande chefferie de Bohème. Ah bah on est mal. De Jure. On n'est pas sorti de l'auberge. Alors, qu'on décapite... On a un seigneur Lige qui se bat contre qui? Hein? Ah, je refuse. C'est ça pour avoir le royaume. Démerdez-vous. De Bohème. Sérieux. Je peux pas... Attends, je attends, 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 attends. Il y a un boulet qui me fait chier. Un moché, blessure grave. 1% d'être infirme, 10% d'être blessé. Il faut que je prépare ma succession. Qu'est-ce qui se passe encore? Conquête de Abauge. Je pense que c'est Abauge. Et lui, il veut quoi? Assujettissement, va la chienne avare. Les Valachiens veulent... Ah mais c'est putain, violence. Violence totale. C'est mon demi-frère.
Ok, alors j'ai pas perdu mon anxiété, mais je. Non, ça va, j'ai pas été blessé, j'ai pas perdu une couille dans la bataille, tout va bien. Oh là là, mais mes vassaux sont tellement mauvais, quoi. Y'a que mon maître espion qui est bien. Pas assez de prestige pour expulser les juifs. Et ça passe à leur difficulté. Ben, y'a rien. Oh là 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 là, on va étudier une technologie, hein, à Paris, voilà. Faut pas faire de mal. Du coup, on a un peu de sous qu'on a extorqué aux Juifs. On ne pourra jamais leur rembourser parce qu'on gagne moins de 1 par mois. Tu es qui, toi ? Ben, on est un petit pays. Hein. On est un peu la Suisse, si on regarde. Non, c'est complètement l'Allemagne. Attends pour moi. Non, ben, la Suisse, c'est plutôt chez moi. Oui, c'est vrai. Oui. Ben, maintenant, ça s'appelle la Bulgarie. Mais non, mais pas du tout. C'est qu'une question de temps avant que les Bulgares... Non, c'est l'Autriche. Ah! Non, mais je veux dire, là, c'est la Bulgarie. Oui, mais c'est pas du tout la Suisse. Enfin, c'est pas du tout j'ai... la Suisse. J'ai un ami. Silence! J'ai un ami. Putain! J'ai un ami. Pourquoi il me donne pas de sous? Ah. C'est mon demi-frère. Oh, quelle tuile. Eh non, mais vous avez tué l'humour dans le chat. Putain, c'est incroyable. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ah, j'ai pas perdu le train. Si tous les listes, pourquoi ont-ils cloué Jésus sur la croix? C'est bien une colle comme question. Oh! Oh là là. Oh, l'enchaînement. C'est dommage d'avoir tué Jésus, on peut faire une croix dessus. Oh là 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 là. Nom de Dieu. Vous irez en enfer. Vous irez en enfer pour cette blague. Il y a un endroit spécial en enfer pour les gens comme vous. Alors, j'ai monté de grand... De grand. Oh mon Dieu, je suis devenu Oblatus. Si tu le dis... Ça me va pas du tout que mes demi-frères. Après, je pourrais donner des conseils spirituels à mon fils qui a zéro en érudition et qui est un imbécile, apparemment. Enfin, non, pas techniquement. Pas comme t'as de la chance, au moins t'as un fils. Comme ton personnage passé qui était imbécile. Ah ouais. Ouais. Alors, y a-t-il des gens intéressés pour rejoindre ma cour? Pas vraiment. On peut interagir avec l'Empire de Chine. Mais... Non, l'Empire de Chine n'est pas à portée. Bon, personne ne veut rejoindre ma cour. Personne ne veut les gens me haïssent tellement. Bah écoute, j'ai gagné le... Même mon demi-frère me haït tellement. Mais c'est quoi mon demi-frère, maréchal? Mais t'es maréchal, toi? Mais c'est complètement con que tu sois maréchal, mec. Mais oui, c'est complètement con, t'es carrément meilleur en tant que chancelier. Oh là. Mon personnage veut s'accoupler avec sa jument. Hein? Oh là là. Oh mon Dieu. Are you fucking kidding me? Oh, on vient de former la Lituanie. Félicitations. Combien de temps va-t-elle durer? Une génération. Moi, je ne suis plus orgueilleux, non, c'est pas bien ça. C'est pas bien l'orgueil. Bon, moi je vais attaquer la petite. C'est bien l'orgueil, ça donne du prestige. C'est ça. Attaquer... Moi je réponds ça aux gens dans la vraie vie, ils me disent que je suis trop orgueilleux. Ça me donne du prestige. Monsieur, vous êtes trop orgueilleux. Oui, je sais, mais ça me donne du prestige, madame. Ça me fait 0,25 de prestige mensuel. One man, one horse. Ok, parfait. Améliorer les relations vite avec le roi de France. Est-ce qu'il existe? On n'a pas de maréchaux, mais de toute façon, tout le monde nous déteste, donc c'est pas si grave. Maréchaux... Non, pardon. Non, non. ça c'est pas possible, parce que juste après la blague sur les juifs, ça passe moyen, quand même. On va se calmer. C'est ça. On va se faire kicker YouTube. C'est ça, c'est ça. Il va y avoir des problèmes. C'est pas grave, c'est la chaîne de Tips qui sera strike. Ouais, c'est sûr, c'est pas que l'activité qui est sur la tienne. Exactement. Quelle tristesse. Oh, les petits fions qui se balancent, quoi, j'hallucine. Bon, pourquoi y a tant de gens qui débarquent sur ma gueule? Là, ils veulent quoi? Ils veulent Abauge, mais c'est quoi Abauge? Je sais pas c'est quoi Abauge. Lui, il veut quoi? Il veut simplement l'assujettissement, lui, il veut notre fion. Alors moi, j'ai toujours un comté perdu au milieu de la... Au milieu de la Croatie, là-bas, je sais pas comment foutre.
Et assiégé par des pillards en plus. Il n'y a pas un moyen de se débarrasser d'un comté comme ça, je peux pas le donner à quelqu'un, putain. Oh si, je pense. Attends, si je le donne à un mec et que je... Ah bah non, mais attends. On va 15. Ouais, ah mais pourquoi j'ai fait ça avec un... Genre je peux pas lui dire, mec, démerde-toi. C'est pas assez. C'est pas assez. On est en train de se faire défoncer, mais quelque chose de tellement fort. Alors, assigner un tuteur. On va assigner des tuteurs. Ah bah non, pas moi. Des mecs bons, si possible. Genre, mon... Tu te fais défoncer par qui, Tibbs? Bon, c'est très... Enfin, comment? Il y en a plusieurs. Alors, il y a la Silésie qui a déclaré la guerre à ton roi. Mais tout le monde déclare la guerre à mon roi, c'est pour ça que je voudrais être indépendant et puis me trouver une alliance sympatoche. Ouais, c'est clair, ouais. Oui. Je suis officiellement allié avec la Francie occidentale. Oui, partons en pèlerinage. Tiens, il faut que je trouve des alliés, moi aussi. On va mettre ma femme génie maître espionne en régente, ouais, comme ça personne ne me fera chier pendant que je suis en pèlerinage. Parfait. Le premier qui l'ouvre, elle l'égorge. Ne puis-je point demander une indépendance? Encore! Par hasard. On va demander des alliés. On va demander au... à l'avarie. Ça m'étonnerait qu'il veuille. Yep. Le grand Khan. Oh, en plus, vous êtes dengriste. Je sais quoi, moi je suis chrétien, ouais. Oh oui, montons l'expédition. Putain, mon frère. Oh là là, j'espère que je vais. Fais un enfant, toi. Je vais à Jérusalem, moi je suis un malade, moi quand je fais un pèlerinage, je peux pas. Ouais, il a dit de la comtrée, il est. Alors, c'est un guerrier maladisé. Il est dissident. Il est diligent. Ah, bien. Il est patient. Il est humble. Bien. Il vit dans la luxure et en plus il a le très brave voix. Qui? Mon frère. Et c'est lui qui va arrêter de mon trône. Ah, parce que j'ai pas d'enfant. Bon, il est pas dégueu. Hein. Oh, non. Ah non, non, non. Non, mais c'est pour ça, c'est pour ça. C'est non, comme mais comparé à mon personnage. Là. Ah, par contre, j'espère qu'il va aller faire des gamins, le frère là. Merde, mon frère il est marié avec qui? Attends, on est en guerre contre qui? Quoi. Armée de Victor. C'est qui l'armée de Victor? Oh là là là. Valériou. Valériou, c'était pas dans l'histoire sans fin, ça? Atreyu. Atreyu, c'était, pardon. Alors, comment on fait pour tège les concubines? On peut pas. Ça dépend. Moi, je les mets dans un taureau d'airain. Ah, quand elle est enceinte, je peux pas l'acheter, d'accord. Ça sera un peu... Ouais. Pourquoi j'ai comme surnom le tyran? Ouais. Ça s'appelle jeter le bébé avec l'eau du bain, ça. Ouais, c'est un peu ça. Je suis pas enceinte, tu n'es plus ma concubine. Oh putain, mais j'ai des menaces, qu'est-ce que c'est que cette merde? Bon, je suis devenu cynique, mais c'est pas très grave. Enfant sans intérêt. Gloire à Dieu, je suis devenu zélé. Oh, ça va remplacer cynisme, en fait. Bon, on a de nouveau plus de chanceliers. Allez, je vais gagner des sous, là. Et bien entendu, personne ne veut rejoindre l'endroit. Voilà, j'ai fait mon pèlerinage à Jérusalem. Je suis content. Mais n'importe qui. Je veux juste un qu'il soit prêt à vous rejoindre. Un en diplomatie. J'ai un en diplomatie. Mon Dieu. Bon, mais on a fait un bon traité, là. Ça va nous rapporter des plein de sous. Je vais pas en donner un seul centime à mon chancelier. Plus d'argent, bien. Mon chancelier s'est tiré, il a formé une armée, en fait. Ah oui. C'est ballot, un peu. Ouais, mon chancelier, il est en train de rechercher... Parce que mon chancelier, en plus, c'est mon frère. Enfin, voilà, quoi, c'est... Il était doué, il était efficace, il a essayé de se tirer, comme ça. Mais attends, oui, parce que vu qu'il a pas d'avenir, il n'y aura rien... Comment ça, il n'y a pas d'avenir chez moi? Allons. Il s'est dit, je vais tenter ma chance ailleurs. Oh mais non, je veux que ce soit mon fils qui hérite, pas mon demi-frère. Attends, what the fuck? Comme ah, le partage. Pourquoi ça... Attends, désigner un héritier. Mon mien. Oui, il veut le fils. Il doit être en partage civique électif. Ouais. Oh, ah, je l'ai ça me désigné, fatigue. Il a deux votes. C'est un mec de ta famille ou pas qui va hériter? Oui, mais... Fais chier. C'est pas trop grave. Ouais, mon frère, il a des bons stats, quoi. Putain, c'est que des demi-frères.
Le chef Nénia boit comme un champion. Ah, j'ai gagné du respect en picolant, c'est bien. Félicitations. Ah, mais mon demi-frère, il me kiffe tellement. Bon, allez, on va demander des gens, inviter des nobles à la cour. Ah, dis-moi que j'ai perdu le trait anxiété, là. Je vais venir quelques-uns, parce que là, ça ne va plus. Attends, j'ai hérité d'un truc. Ouh, qu'est-ce qui s'est passé en Francie, là? C'est rien, il a changé de titre, cet abruti. Ah bon? Bon, j'ai hérité du deuxième château qu'il y avait à Lyon. Du coup, j'ai les deux châteaux à Lyon. À Lyon? Okay. À Lyon. À Lyon. Pourquoi il a pris quoi, Francie orientale? Ah, je peux jurer fidélité au grand Khan. Ah non, déconnez pas. Ah si, c'est bon, il est toujours roi. On peut déclarer la guerre au grand Khan. Ah ouais, c'est juste que, tu sais, comme il a roi de Francie orientale, roi de Francie occidentale et roi de Francie médiane, il s'est dit, tiens. Oui, je prends celle-là parce que c'est cool. Ouais, voilà. Mais le gris, bah, le gris, c'est pas top, quoi. Il pourrait plutôt faire. Moi, je suis en vue des vassaux, donc. Il pourrait plutôt faire un. Comment? Un empire. Troupe guerrière transylvanienne, intéressant. C'est peut-être ce qu'il essaye de faire. Et qu'ils me disent pas qu'avec ça, il peut pas aller reprendre Toulouse, quoi, franchement. De qui se moque-t-on? Ouais, mais après, il a 5 ans. Pas trop lui en demander, je crois. Alors, je vais donner. Ah, tiens. Mon nouvel héritier, c'est justement le mec qui est parti, là, le chef de bande. Il se passe quoi si je décède maintenant que j'ai plus de titre, je suis chef de bande? Non, non, il revient, il prend ta place. Ah, il revient et il prend le titre, c'est tout. Oui, voilà. Oh putain, j'ai encore fait un fils. Oh là 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 là. T'as de la chance, moi j'arrive toujours pas à trouver le trou de madame, alors. Oh là 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 là. Oui, c'est élégant. Ah, oh, ça va. Ça va, non, mais c'est tout public ici. Hein. Oui. Tout à fait. Alors, on va donner des sous. Il me semblait pas que ça ait jamais été tout public, moi. Ah, peut-être pas sur ta chaîne, mais chez nous aussi. Ah bon? Comment on fait pour envoyer un cadeau? Ah oui, ici c'est tout public. Mais c'est qui me sauterait à la gueule, ces cons-là? Qui? Qu'est-il? Bah, les... Comment? C'est qui? Vous êtes qui, vous? L'armée du bourgmestre Milorad. Je sais pas, t'es en guerre avec trois types, donc... Oh. Ça a l'air instable, ton coin. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire, oui. Bon, moi, faudrait que j'ai assez d'hommes pour... poutrer le duc d'Allemagne. Est-ce qu'il y a des alliés, ce truc du cul, du Luxembourg? Moi, je suis allié au duc d'Aquitaine. Oh, mon roi, là, vite, 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 pointe-toi, connard. Oh là là. Bon, on va essayer d'aller piller. Économiser pour est-ce qu'il est en train de dessiéger, lui? Je sais pas s'il dessiège, c'est naze, en fait. Bon, peu importe, nous, on va piller. On va profiter de cette guerre pour commettre des exactions. C'est cool. On aime bien les exactions. Alors, je pourrais lui déclarer la guerre pour les quatre comtés d'un coup, mais ça ne m'étonnerait pas. Ça ferait juste que les mecs qui sont déjà en place là-bas deviendraient mes vassaux. Moi, j'aimerais bien les prendre directement. Mais il faudrait le faire un par un, et il y en a quatre, et ça va être long. Pas un mec mieux que ça, franchement. Non, ce qu'on va faire... Vu que c'est dans le duché de Haute-Bourgogne, on va faire une revendication, enfin sur lui, on va faire la revendication pour lui prendre les 4 comtés d'un coup, on va lui arracher les 4 comtés d'un coup. Et après, les 4 mecs qui sont en poste dans ces 4 comtés, vu qu'ils seront dans mon duché principal, on fera des complots pour révoquer leur titre et on s'emparera de ces 4 comtés. Ça me semble un bon programme. Plaît-il ? Ah, excellent. Alors, il y en a bien qui vont venir dans mon complot pour buter ce type. Ah bah ben non. On va annuler. Ah non, attends, il y avait des gens. Putain, il y avait des gens, fais chier. On recommence. Je voudrais buter un de mes parents, parce qu'il est sur la... Ah mais toi, t'as quoi, toi, comme empire? La Bohème. Oh, l'empire de Bohème. Oui, c'est quoi? Et c'est qui que tu veux buter? Hein? Quelqu'un de chez moi. Non, non, mais je vais y arriver, t'inquiète. Il est mort, machin, ou il est pas mort? Comploté pour tuer. Ah bah, il est mort, ça y est. Parfait. Ça fait plein de points, ça. Voilà. Des pillards amenés par une armée de Abjan. Oui, bon, c'est les Vikings. Hein. Bon, on n'est pas trop emmerdés ici, ça va. Qu'est-ce qu'ils font? Bon, ils font que passer. Non, ils pillent. Bon, pas pillent. Hein.
Par contre, c'est quand vous voulez, les mecs, pour venir. Quel horrible merdier. On peut peut-être accélérer d'une vitesse, au moins. Pour le moment, il se passe rien. Tibbs, il est en guerre contre trois types, donc... Donc on va attendre, alors. C'est peut-être pas une si bonne idée. 64% seulement. Pff, oh là là, personne ne veut venir. Annule. Merci, les gars. Ouais, j'aurais du mal à... Comment ? À gérer, si on allait... Ouais, qu'est-ce qui se passe ? Je vais tuer mon demi-frère. Évidemment que j'accepte. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ils osent se rebeller contre mon beau-fils ? Il n'y a plus de respect, je te dis. Il n'y a plus de respect. Putain, alors lui, je suis à 50% de le buter, mais personne ne veut venir dans le complot. Invite-moi, j'ai 14 ans. Mais on n'est pas potes. Même si on n'est pas potes, tu peux toujours m'inviter. On n'est pas potes. Oh, il est roi de toutes les Frances, le mec, c'est ouf. Ouais. Ah, la Bretagne existe encore. Et c'est un roi de Bretagne, d'ailleurs. Hein ? C'est quoi ce pays-là, en Bretagne ? C'est la Bretagne. C'est le comte de... C'est le mec de Cornouailles. Il a unifié la... Enfin... C'est un quadruple comte. Easy. À l'aise, le mec. Alors, ça ne va pas du tout. On n'a plus d'armée, on n'a plus rien. On a de moins en moins d'hommes. Non, Cléassim, non, elle sera pas dans la... Dans la vidéo de Tibbs. De quoi ? Parce que j'ai mis une petite musique là derrière que j'avais envie d'écouter. Ah non, il y a peu de chance. Donc Cléassim demande, ça sera dans la vidéo de Tibbs. Ben non, t'inquiète. Mais il est pété, lui, c'est je pense que je vais pas tarder à crever, moi. On va lui accorder un titre foncier tout de suite. Oh, mais non, il faut que je me garde des trucs. C'est ton héritier. C'est mon frère. Oui, toujours. Ouais. Vraiment, quoi. Mon héritier. Ah. Alors, Mais c'est pas vrai que... Qu'est-ce qu'il y a ? Mais non, mais ma succession, c'est n'importe quoi. Avant, ils étaient tous d'accord pour mettre mon demi-frère sur le trône, et maintenant, mon demi-frère, il a plus qu'une voix d'avance, il y en a deux qui ont quatre voix, donc lui, il a cinq, et mon fils, que je voudrais sur le trône, il a deux voix. Ah, mais ça, c'est parce que t'as pas assez de prestige. Si maintenant, tu fais un bon mariage ou des choses comme ça, il y a de grandes chances que tu repasses à un niveau. Ouais, remarque, je vais marier mon fils, t'as raison. Avec quelqu'un de... Mais voilà, après, il faut quelqu'un de prestige. Après, en plus, si maintenant, avec ça, tu veux bien faire une alliance... Une princesse d'Asturie. Ah, je peux pas plus prestigieux que ça. Hein. Elle a quel âge ? Toi, t'as quel âge ? ils auraient que 10 ans de différence. Oh, ça passe. 10 ans, ça va, je veux dire, même dans la vie de tous les jours. Attends, putain, mon frère, il avait un enfant. Alors, on va les... Ça se passe uniquement si c'est le mec le plus jeune, bien sûr. Elle est vive, elle. Comté de Leningen. Allez, on va tenter. Elle a quel âge ? Ah, 4 ans, non, c'est pas possible. C'est un imbécile, et il a fait un malaise. Oh. J'ai glissé. Oh là là, mais putain. C'est quoi ces familles de débiles ? Pourtant, c'est pas être ta sœur. Mais c'est pour ça que la série, elle s'appelle Les Rois Moisis. Ouais, du coup, c'est legit. Hein. Oh là 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 là. Alors, je réécris. Quoi, nos enfants, quoi ? Il y a trop de pollution dans l'air ou quoi ? Un intendant capable. Putain. Salut, Gormanac. Voilà, bon. Elle est nulle. Je peux pas me marier. À quoi ? À une courtisane. C'est pas du tout précis. Ça dépend. Si c'est très son bien, ça passe. Hein. Oui. Je le fais souvent, ça. Il y en a des biens. Non, elle est homosexuelle, celle-là. Enfin, j'ai l'air. Non, Cléassim, moi, ça se passe bien pour l'instant. Merci, Christiane te dira. Oh. Okay, j'ai pas suivi. Ah, j'ai fait une vieille blague qui n'était pas très drôle. La bohème pour tous, ça s'appelle. J'ai pas suivi. Ouais, mais c'est pas grave. Bon, écoute, je C'est ça, t'es en bohème, Fred. De quoi c'est... Attends. Oui, je suis bohémien. Ah, oui.
Duc d'Edlingus 2 pour Lombardie. Mais non. C'est quoi ce bordel là? Falchion du royaume de Lombardie, mais dégage, je te veux pas en tant que souverain. Hein. Qui ça? Toi. C'est pas moi, hein? Ah, il y a des gens qui essayent de me mettre. Oui. Mais j'ai rien demandé, moi, non, je veux pas. Le duc de Ferrari veut que tu sois. Si lui veut pas, moi je veux bien. Hein, vous avez qu'à faire passer le mot. Le duc de Ferrari, ils veulent me mettre roi de Lombardie. Oui. Elle est au grand théologien Mozzarella. Et pourquoi pas? Allez, hey, roi de Lombardie, ma gueule. Ah non. Ah. Comme il ça. A 38% de réussir. Ouais, je suis parti beaucoup trop loin. J'ai fait des liens d'amitié avec. Ah, mais je commence Je commence à être bien avec mes vassaux, moi, c'est cool. À seulement 62 ans. Ah, mon frère est tout à fait capable, ça fait plaisir. Ça en fait un dans le lot qui est foutu de faire quelque chose. Est-ce que je peux proclamer un royaume? Non, il faut des sous pour ça. Ah putain, sa femme en plus, elle est homo, quoi. Lol, 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 lol. Ah putain, mais c'est ma femme que j'ai. Oh là là. C'est quoi, c'est ta femme qui est où? C'est ma belle-sœur. Non, c'est. Oh là là là. J'essaie de revendiquer ma belle-sœur. Tu revendiques ta belle-sœur? J'ai rien compris. J'essaye de revendiquer le titre de ma belle-sœur. Ah oui, pas elle-même. Bah non, pas elle. Qu'est-ce que tu en fasses? Ah, je ne sais pas, moi. Bon, vous arrêtez de. Pourquoi il veut me tuer, lui? Pourquoi? Il y a une pause, il y a un truc ou pas là? Non, c'est le jeu qui a ralenti tout seul. Parce que moi, il est freeze le jeu là. Ah merde. La date ne tourne plus, exact. Oui, non, mais c'est déjà arrivé, rappelez-vous, c'est normal. Oui, ça va repartir. Ah bon, bah, si c'est normal, tout va bien alors. S'inquiète pas. Ouais, tu vois, ça y est, c'est reparti, on est passé au 6 juillet. 7 juillet. Ah ouais, moi aussi. Mais ça s'arrêtait là. Moi, ça me dit Tiberian, c'est à la traîne, mais à chaque fois, ça ralentit la vitesse. Oh là là, Tiberian. Attends, je vais mettre oui, j'ai une bonne connexion. Arrête de plauder des trucs. Mais je plaude pas, pendant que je tourne, allons. Puis j'ai pas de message d'erreur. Attends, on est passé au 10 juillet. Non, je suis au 12, moi. Ah, je suis qu'au 11, moi. Oh, bordel. Attends, le live, j'ai l'impression que freeze aussi. Qu'est-ce qui se passe? Ah non, c'est reparti, non, je sais pas. Ah, 14 juillet 804. Ça rame du fion, mais d'une force. Mais bon, ça remarche, on dirait. Curieux. Putain, j'ai toujours pas perdu l'anxiété. C'est en pause, là. On est au 15. Normal ? Ouais. Ah ouais, on est au 15. Ouais, attends, parce que je crois que le live, il est... C'était cool. Ah. Qu'est-ce qui se passe ? C'était trop beau, bien sûr. Est-ce que là, vous êtes en pause et on est le 15 ? Oui. Non, moi, je suis... Non, on est le 16. Ouais. Je relance. Attendez, parce qu'il n'y a plus de stream en fait là. Ah, on en est là. Mais oui. On en est là. Mais pourtant, OBS me dit que tout va bien. Mais il ment. Mais sur Twitch, il n'y a plus de live. Voilà. Attends, il se passe des trucs quand même dans le jeu, du coup, je sais pas pourquoi. Bah, me mettez en pause. Est-ce que quelqu'un a mis la pause? Non. Non. Mais si mettez la pause, je suis pas dans la partie. Non, mais il y a rien qui se passe. J'ai essayé de cliquer, ça fait rien. Ah bon? Oh là, qu'est-ce qui se passe? Bon. Moi, je suis en pause. Pas bah, moi. Pas moi. Moi, si. Ah, ça va peut-être apparaître. Yep. Je suis en pause 26 juillet. Ouais, moi aussi. Pour moi, Deglincus, c'était que le 20. John le 18, Tiberian 18, Fred le 20. Deglingus 21 Moi tu m'as. Okay, mais... Attends, on est tous. Là, je suis arrivé au 27. Ok, j'ai mis en pause. Ouais, bah alors, peut-être que quand on va rejoindre le 27, ça va arrêter de planter aussi. Parce que moi, je suis que le 23, typiquement là. Je relance le stream. Mais je sais pas si. Bon. Il y a eu un gros problème de co. Ouais, ouais, c'est bizarre parce que j'ai pas. Mis en pause par John. Ça fait plaisir. Ah bah, ça fait un moment. Hein. Bah, moi, c'est maintenant. Pourquoi la partie arrête pas de redémarrer là? Enfin, de se relancer. Bah, je touche à rien. Bah, moi non plus, je touche à rien. Bah, moi non plus, je touche à rien. On est le 27 juillet? Oui. Donc, je vous ai rattrapé.
Wouhou. Pourquoi le live est impossible d'accéder à la chaîne ou à la clé de stream spécifiée? Veuillez vérifier votre clé de stream. Quoi? Non mais tu déconnes, il n'a pas chargé la clé de stream en plein milieu de... Non, ça m'est arrivé la dernière fois, ça faut insister un peu et ça finit par redémarrer. OBS m'avait fait exactement le même problème, il a fallu que je quitte OBS, que je relance le bordel, que je relance le live, ouais. Tout quoi. Oui, c'est relou. Incroyable, qu'en 2018, on n'est pas un... Ok, bah apparemment, là, il l'a relancé. Ça marche, là. Bah non, sur Twitch, c'est toujours déco, complètement. Ah. Mais OBS, lui, me dit que tout va bien, mais ça renvoie. Non, mais sérieusement, après, putain. On va y arriver. C'est bon, ça va revenir. Mais oui. À un moment, j'ai vu le direct sur le... Ouais, moi aussi, je l'ai vu apparaître. C'est bien, parce que parfois, ça se passe bien. Oui. Bah écoute, ça te fera un épisode. Hein. Bon, bah comme d'hab. T'sais, on coupe plus les lives au moment où c'est bien, on les coupe à chaque bug. Non mais ouais. Ah. Eh oui. C'est la vie, c'est la vie. Waouh. Donc on fait quoi? On redémarre tous notre jeu et... Bah y'a pas de raison, notre jeu il fonctionne. Mais c'est le jeu il fonctionne, c'est juste... je sais pas... C'est juste chez Tibbs que ça fout la merde quoi. Merci Tibbs. Mais pas du tout. Non, c'est si. Twitch qui... Non, on a décidé que ce soir c'était Tibbs. D'habitude c'est Fred et ça m'allait bien. Ouais mais faut changer sinon après on va le quitter. Quoi? Est-ce que tu peux pas demander aux gens d'actualiser leur live? Essayons. Commencez le streaming. Faut toujours qu'il y ait une couille, quoi. Ah, qu'est-ce que tu veux? Ah, tiens. Plusieurs coupures d'électricité actuellement dans la région toulousaine. Des interventions sont en cours. Ça se trouve, c'est un coup de... Comment? De la CGT Énergie. C'est du sabotage. N'accusons pas tout de suite les syndicalistes. Bah qui alors, les immigrés? Par ouais, exemple hein. Ouais, les immigrés, ouais, ça passe. C'est de leur faute. C'est eux qui volent tout. C'est ça. Ils nous volent notre travail. C'est ça. Le grand classique. Bon, ça marche, non, ça marche pas, comment on fait? Non, non, ça marche pas. C'est... Ça ne marche pas. Non, ça marche pas. Le live... OBS, ça me dit que c'est en stream, mais sur Twitch, il n'y a que dalle. Par contre, moi, c'est un problème parce que du coup, j'ai pas mon jeu en pause et on est tous à la même date. Mais si, on est tous au 27 là. Non, non, mais le truc, ce qu'il faudrait faire, je pense, Deg, bah, hein? je vois direct là. Ah, moi aussi. Il y a de la merde dans le tuyau de Twitch, peut-être? Peut-être, ouais. Moi, je vois que ça mouline sur Twitch. Oh, allez, je vais réduire et je vais essayer de voir ce que ça donne, si je rafraîchis. Ardara qui dit j'ai plus la vidéo. Merci Ardara, tu sais ça fait pas. Champion. Ça mouline grave. Ouais, on est sur le coup. Hein. Non, moi je pense qu'il faut que tu interrompes le flux. C'est ce que j'ai fait. Non, mais je l'ai fait 4 fois. Mais ouais, mais combien de temps t'as laissé interrompu?
ferai quelques secondes. Ouais, bah voilà, bah vaut mieux couper une minute, tu vois, genre. Et relancer le flux, en fait. Mais surtout pas relancer. Il y a eu trois combats à s'arrêter. Ouais, parce bah mon avis, il y a il est en plein élan, là. Il est en PLS, oui, surtout. Hein. Ça doit être du côté de Twitch que ça... Oui, je pense que pour le coup, c'est pas nous, ça. C'est bien. Mais voilà, laisse le flux interrompu pendant une petite minute, et après, ça ira probablement mieux. Si j'avais perdu Mako, on serait tout simple. Enfin, oui, on t'entendrait plus, de toute façon. Non, mais il y a dû avoir un moment où, de toute façon, la co a merdé, vu qu'on a été des synchros, mais pas suffisamment longtemps pour faire planter le jeu. Bon, je suis un peu emmerdé avec ma bohème, là. Je suis un peu enclavé, hein. La bohème... Bah, au moins, toi, t'es pas entouré de personnes qui veulent ta peau, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays, tout le monde veut ma mort. Ça fait beaucoup. Ça, c'est la Moravie. Et ça, c'est la Grande-Pologne. Donc, je pourrais peut-être prendre deux comtés de plus, là, à ce mec-là. Mais alors, il a 2000 hommes. Bah, du coup, c'est lui qui va m'envahir. Et oui. Putain. Et bah, il y a tout un bailli. T'es vraiment un connard, mon roi, je te jure. Alors, organiser une foire d'été. Ah, moi aussi, je peux le faire. Ouf. Attends, je fais rien dans le jeu pour pas... voilà. Elle a des revendications. Oh, faites pas bugger le jeu. Bon. T'as la vache. 25 000 foyers privés d'électricité au centre de Toulouse. 25 000. Impeccable. Putain. Ma belle-sœur a des fortes revendications sur Florence. Oh. Florence en Italie. Mm-hmm. Bon, j'essaye de relancer. Vas-y. Oui, je pense que maintenant, si jamais il y a un problème de flux, ça doit être okay, bon. Alors là déjà, il a connecté beaucoup plus vite. Voilà, ça devrait être bon. Ben oui. Normalement. C'était évident. Je crois. Putain. Attends, je vais refresh. Non, j'ai toujours en déco. Ah, en direct. Il y a marqué direct et ça mouille. État de la diffusion instable, sans déconner. Ouais, donc là du coup ce que je propose de faire c'est qu'on coupe tous notre jeu et on relance la partie genre tu sais, on relance tout en fait. Ouais, attends, vas-y, je sais. Parce que là on tente des trucs à la volée et... Ok, faisons ça là. Après ça, à la volée, après ça, volée. Putain.